Dans un grand royaume d'Afrique, vivait un grand roi du nom de Keta. Le roi Keta avait trois fils. L'aîné, Mamadi, le cadet, Mambi, et le benjamin, Kalilou. Le roi Keta, dans ses vieux jours, appela ses trois enfants. « Mes chers enfants, leur dit-il, je suis âgé. Aujourd'hui, je suis malade. Et je ne pense n'avoir que quelques jours à vivre. Alors pour cela, parce que je vous aime bien, je vais vous donner 15 tonnes d'or en héritage que j'ai divisé en trois parts égales. Que voici. » Du coup, apparut à côté du lit du roi Keta un grand coffre dans lequel se trouvaient les héritages des enfants. Le surlendemain, le roi Keta rendit l'âme. Écoulez l'eau. Une fois les funérailles terminées, les grands aînés, Mamadi et Mambi, se demandaient comment ils allaient dépenser leur héritage. Alors, ils achetaient des troupeaux, ils firent construire des cases et parcouraient tout le grand royaume pour offrir à leur mère et à leur femme les plus beaux bijoux et les plus belles étoffes. Ouais. Ils vivaient leur dernier jour en de festins continuels. Ils vivaient chaque jour en festin continuel. L'argent, on le gaspillait. C'était à celui qui organisait les plus belles fêtes qui aurait les plus beaux tantames. Un jour, la mère de Mambi et de Mamadi rendait visite à la maman de Kalilou. Arrivée chez elle, elle commençait par se moquer, à ridiculiser la maman de Kalilou quand elle constatait que cette dernière ne profitait pas de l'héritage de son fils. Après le départ des deux dames, la maman de Kalilou, furieuse, rendit visite à son fils et cria : « Fils ingrat, tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu n'organises jamais de fêtes. Prends l'exemple sur tes deux frères qui organisent des grandes fêtes et offrent des cadeaux à leur maman. Qu'ai-je fait pour mériter un fils comme toi ?» Et elle fondit en larmes. Kalilou ne dit rien, mais le lendemain, Kalilou prit son sac et partit en voyage. Au premier village qu'il traversa, des enfants malmenaient un chien qu'il tenait en laisse et qu'il conduisait au feuvre pour le noyer. « Pourquoi, chers enfants, voulez-vous tuer ce chien ?» demanda Kalilou. « Ce chien a mangé la viande du fils du roi, » répondirent les enfants. « D'accord, prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien. » Les enfants, qui ne s'attendaient pas à une telle aubaine, n'hésitaient pas à accepter la proposition de Kalilou. Alors Kalilou reprit sa route, accompagné de son chien. Au deuxième village qu'il traversa, Kalilou voit des fillettes qui allaient pendre un chat. « Pourquoi, chère fillette, allez-vous pendre ce chat ? Ce chat
« Abus le lait du roi, » répondirent les filles. « D'accord, vendez-moi ce chat et prenez cette poignée d'or. » Alors, Kalelo reprit la route, accompagné maintenant du chien et du chat. Au troisième village qu'il traversa, il aperçut un chasseur qui allait tuer un vautour. Pourquoi, chasseur? Dit Kalelo. Veux-tu tuer ce vautour? Ce vautour, répondit le chasseur, dévore tous les oiseaux du roi. D'accord, j'ai compris. Mais vendez-moi ce vautour et prenez cette poignée d'or. Alors, Kalelo reprit sa route, accompagné de ses trois amis, le chien, le chat et le vautour qu'il vient de sauver. Les trois animaux, accompagnés de Kalelo, traversèrent le grand royaume jusqu'à un espace désert où on ne voit que une grotte. Homme, voici mon logis. Dans cette caverne, je vis. Ne crains rien. Entre, dit le vautour. Une fois entré, Kalelo aperçoit sur un perchoir doré un grand vautour, le roi des vautours, entouré de ses sujets. Alors, le vautour que Kalelo a sauvé prit la parole et dit: grand chef des vautours, je te présente Kalelo, l'homme qui m'a sauvé. Il mérite une récompense. Laquelle? Répondit le chef des vautours. L'anneau magique, grand chef. Action. À ces mots, le chef des vautours quitta son perchoir et vint à côté de Kalelo, puis ouvrit son grand bec. Homme, sous ma langue se trouve une bague magique. Je te l'offre en cadeau. Prends-la. Dès que tu désireras quelque chose, prononce tes vœux et ils s'exauceront immédiatement. Merci beaucoup, grand chef, dit Kalelo. Je désire retourner au village. À peine Kalelo finit sa phrase, que ce dernier se retrouva chez lui. Aussitôt vint sa mère et elle cria encore: oh, fils ingrat, tu m'offres jamais de cadeaux. Tu es indigne. Oh, qu'ai-je fait pour mériter cet enfant? Et elle fondit encore en larmes. Kalelo ne dit mot et sort de la case et dit: je désirerai devenir un grand roi d'un grand village avec un beau palais riche en or. Aussitôt, un bruit vacarme secoua la terre et de la terre sortit un beau palais. La mère eut peur et sortit de la case et était surprise de voir ce beau palais. Il n'en croyait pas à ses yeux ni à ses oreilles. Femme, dit Kalelo, désormais, voici notre habitation. Le lendemain, Kalelo se maria. Mais il commet une grande imprudence. Kalelo raconta à sa femme l'histoire de l'anneau magique. La femme stupéfaite profita du sommeil de Kalelo pour lui dérober l'anneau magique. Le matin, Kalelo se réveilla dans une case pauvre, sans palais, ni ville, ni or. Alors, Kalelo tomba dans une dépression.
La femme qui a quitté Kalilo s'est rendue au village de son papa, où elle passait de beaux jours. Le chien et le chat se consultèrent et ont décidé d'aller reprendre l'anneau de leur maître. Une fois arrivé au village de la femme, le chat dit au chien, « Chien, tiens-toi à la porte et apprête-toi à t'enfuir. » Le chien et le chat se consultèrent pour aller reprendre l'anneau de leur maître. Et ils s'approchèrent de la case de cette dernière. « Chien, reste près de la porte et tiens-toi prêt à t'enfuir. » Le chat rentra. Lorsque la jeune dame vit le chat ronronna. « Miaou! Miaou! Quel beau chat !» dit la jeune dame. Cette dernière prit le chat et le caressa. Le chat, énervé, sauta brusquement à la gorge de la jeune dame. Elle tomba et hurla. Et lorsqu'elle hurla, l'anneau qui se trouvait sous sa langue tombait. Et le chat prit l'anneau, courut, puis sauta sur le dos du chien. Et le chien déterla en toute vitesse jusqu'au village pour retrouver Kalilo, le maître. Quelle ne fut pas la joie de Kalilo de retrouver son anneau magique. La première des choses que Kalilo fit, c'est de souhaiter la mort de sa femme. Et c'est depuis ce jour que Kalilo, l'homme, ne fit jamais confiance à une femme aussi belle et aussi gentille qu'elle soit. Histoire raconte.